Hey, salut tout le monde, ici moi 89, chaîne Friendship et Gaming. C'est une petite vidéo pour vous présenter l'une de mes créations. Hein. C'est pour donc, elle est disponible pour tout le monde, mais c'est aussi pour Google Plus que je le fais. Voilà, j'ai activé la facecam et j'ai mis la voix, contrairement aux deux petites vidéos que j'avais faites imprévues. C'était parce que sur Google Plus, les photos étaient floues. Donc là, je vais en profiter pour montrer parce qu'il y a les photos étaient floues d'un précédent avion, avion précédent. À peu près 160 places, un peu plus de 160 places. Je profite de le montrer un peu. Voilà. Mais ce qui nous intéresse, c'est celui-là, cet avion avec deux étages qui peut accueillir 608 passagers. Je vous montrerai le calcul que j'ai fait avec la calculatrice de l'alphabet rapidement. C'est simple, hein, c'est juste une multiplication. Voilà. C'est une addition et c'est un seul calcul avec deux multiplications et une addition. Comprise, voilà. Pour dire très simplement, voilà. Alors comment j'ai calculé le nombre de passagers? Ben, bon, je vous montre le tour de l'appareil. Ben, j'ai tout simplement pris le nombre de passagers, enfin, le nombre de sièges là que j'ai mis par rangée. Je l'ai multiplié par le nombre de rangées. J'ai fait ça pour les deux étages, puis j'ai additionné les résultats. Voilà. Tout simplement, c'est comme ça que j'ai calculé. Maintenant qu'on a fait un peu le tour, on va voir l'intérieur. C'est là où il y a des choses à dire. Je profite de bien vous montrer tout ce qui est l'extérieur de l'avion. Bon, je vais me faire quand même une petite entrée. Je la ferai plus tard. Je vais quand même me poser quelques blocs pour rentrer correctement dans l'avion. Voilà. Donc, je tourne ça en HD en plus, hein, donc c'est sympa. Bon, là vous voyez du mieux, c'est parce qu'on voit pas le fond encore. Hein. Si j'avance un peu, on verra le fond, c'est tout. Voilà, donc on va d'abord aller par là. Donc c'est des points parce que l'avion n'est pas fermé. C'est juste que j'ai pas la distance de vue jusque là. Donc là comme vous voyez, on voit un bout de mon court courrier que j'avais déjà montré en vidéo. Donc un bout, là on voit un bout de l'autre avion. 608 passagers, si j'ai pas dit de conneries, c'est ça que j'ai calculé. Voilà. Donc ça c'était le poste conduite. Voilà. Et là, on a là où les passagers mettent les bagages et on a les rangs. Donc, comme vous voyez, il y a 12 passagers par rangée dans le premier étage. Voilà, et on a deux escaliers pour accéder au premier étage. Alors là, je vais vous montrer quelque chose de très important. Ces deux portes, c'est des lieux très simples, mais c'est ce qu'on appelle les chiottes. C'est très les WC. C'est là où on met le canard WC d'ailleurs. C'est très très pratique, même dans un avion. C'est utile, on va dire. Hein. C'est pas le meilleur endroit, mais c'est quand même très utile. Hein. C'est indispensable, j'ai envie de dire, les WC. Voilà. Donc il y en a trois, je les ai montrés. Bon, là, on est au fond. Comme vous voyez, il y a sept passagers par rangée. Cette tâche-là, il y a les mêmes choses. Vous voyez ça, et éclairage. Vous voyez, il est qu'au sol, l'éclairage. Hein. Parce qu'en fait, l'éclairage de haut, c'est l'éclairage au sol de celui-là. Très simple en fait, c'est tout con. Voilà, on a une porte devant pour sortir, et bien sûr, la fameuse porte du fond qu'il y a toujours dans les avions. Il y a toujours deux portes, une devant et une au fond. Voilà, donc maintenant on va pouvoir sortir de l'appareil. Voilà, maintenant on sort. Donc voilà, c'est vraiment petit pour vous montrer. Là, si ça c'est l'arrière, comme vous l'avez vu de l'autre côté, les devants. Les réacteurs, les réacteurs de l'autre côté sont comme ceci. Vous avez vu les ailes, voilà. Donc vous avez à peu près fait le tour. Donc maintenant je vais vous montrer la petite Minecraft. Voilà. On va fermer Minecraft. Allez, je vais cliquer ici et je vais faire calculatrice. Alors je vais refaire le calcul en direct. Alors c'est 32 fois 12, 32, ce qui a 32 rangées de 12 passagers, plus, parenthèse, 32 rangées, fois 7, ce qui en a 32, hein, j'ai vérifié, donc un total de 608 passagers. Mais le problème c'est qu'il y a FaceCam
Donc, vous pouvez pas le voir, le 608. Donc, pour faire une preuve, je vais juste couper. Attends, je peux pas le couper le montage en plein. Pas le faire. Ah, voilà, vous voyez ici, 608 passagers. Mais pour être plus enclin, vous avez vu qu'on était là. C'est marqué juste là, regardez juste ici, c'est petit. C'est marqué 608. Voilà. Ben, de toute façon, il suffit de faire la multiplication, enfin, l'opération chez vous, et vous pouvez vérifier si 608. On se quitte là-dessus, puis on se retrouve pour une prochaine. Allez, ciao, ciao!